tous pour cette réunion en ligne de l'Église Le Portail. Je me présente, Maxime Desormeaux, je suis le pasteur de notre église de Terrebonne. Et si tu es avec nous pour la première fois, et eh bien, j'aimerais simplement te présenter notre église en quelques minutes. D'abord, l'Église Le Portail, c'est une église en plusieurs lieux. À Laval, à Terrebonne, à Saint-Eustache, en Abitibi et aussi, au courant de la prochaine année, nous allons ouvrir notre cinquième site à Montréal-Nord et aussi où Dieu nous conduira dans le futur. Notre mission est la suivante, de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site Internet au www.EgliseLePortail.com ou notre page Facebook afin de connaître nos différentes heures de réunion et l'adresse de nos sites. Notre Église offre différentes activités hebdomadaires. D'abord, il y a CLIC pour les enfants de la naissance jusqu'à 12 ans. C'est fait par des bénévoles extraordinaires dans un environnement sécuritaire et stimulant avec un message adapté pour leur âge, et ce sur tous nos sites lors de nos réunions. Notre ministère Accès pour les ados et Portage Jeunes Adultes pour les Jeunes Adultes a aussi lieu les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Vous pouvez visiter leur page Facebook ou Instagram pour plus d'informations. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons ou même dans leur église pour discuter, échanger, connecter et prier ensemble. Vous pouvez écrire à notre équipe à petit en commercial .com pour des infos supplémentaires. Finalement, nous nous concentrons à prêcher la croix de Jésus et ce, à SA chaque semaine. Un message qui est transformateur et qui peut impacter ta vie. Alors, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur pour entendre cette bonne nouvelle aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'Église, le portail en ligne. Je profite de l'occasion simplement pour saluer notre site de Malartic en Abitibi qui est avec nous ce matin. On poursuit notre thématique perspective. Depuis trois semaines, nous sommes dans cette thématique qui. Euh, euh, on prend la référence dans le livre de Job, où le livre de Job, souvent, on le voit comme un livre que, de, de quelqu'un qui souffre. Et souvent, en tant que chrétien, on veut comme passer à côté de ce livre-là. Déjà qu'on peut avoir des épreuves, des souffrances dans nos vies, ça ne nous tente pas de regarder à un livre d'un homme qui a beaucoup souffert. Mais lorsqu'on regarde le livre de Job, on peut constater qu'il y a deux perspectives. Il y a la perspective de l'homme, il y a la perspective de celui qui souffre, mais il y a la perspective de Dieu aussi. Et on veut regarder dans cette série à vraiment la nature de Dieu et on veut regarder à des réponses réconfortantes pour toi. Euh, parce qu'il y a plusieurs questions qui vont émerger de nos cœurs lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes dans l'épreuve, mais il y a des réponses réconfortantes dans le livre de Job. On a vu il y a deux semaines, Dieu est-il en contrôle? On a tenté de... de... De répondre à cette question, est-ce que Dieu est en contrôle alors que tout va mal dans ma vie, alors que j'ai de grosses épreuves, de grosses souffrances en ce moment, tu as l'impression que Dieu n'est plus au volant de ta vie, mais j'aimerais juste te dire que Dieu est souverain, que Dieu est tout courant de tout ce que tu vis, il est souverain, il est le premier et le dernier. On a vu la semaine dernière avec pasteur Simon, Dieu est-il injuste ou Dieu est-il juste C'est souvent une question qu'on se pose lorsque il nous arrive toutes sortes de choses et euh, cette semaine, j'ai acheté une boîte de douze baignes. Hein? Puis lorsque tu as douze beignes et que tu es cinq à la maison, c'est sûr que c'est injuste. Qui va avoir le troisième baigne <laughs> si on sépare tous de part égale? Il y a beaucoup euh, d'injustices qu'on peut voir sur cette terre, mais Jésus-Christ est la justice parfaite de Dieu. Est-ce qu'on a vu le euh, message précédent et ce matin? Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est Dieu me punit-il Est-ce qu'il t'arrive des fois de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et on pense que nous sommes punis à cause de quelque chose qui survient dans nos vies. Je me rappelle il y a quelques années, là je peux parler d'à peu près 20 ans en arrière, où j'étais dans un milieu de travail et à un moment donné, il manquait de travail, il y a eu une mise à pied temporaire et j'étais un de ceux qui ont été coupés. C'est pas parce que j'avais fait quelque chose de mal dans ma vue que j'avais mal fait mon travail, la vie était comme ça, je suis coupé, mais c'était un test de foi pour moi parce que veux-veux pas, il faut que tu, tu refasses ton budget puis que tu, tu voyages un petit peu plus léger. Il y avait un test de foi euh, dans mon épreuve et ce matin, alors qu'on va parler, est-ce que Dieu me punit? Il faut toujours garder en tête que Job vivait une épreuve euh, intense et ça n'avait rien à voir avec une punition de Dieu. Et on va regarder les textes de, de Job, les chapitres 15 à 21. Évidemment, on ne lira pas tout au complet <laughs> parce qu'on en a pour euh, toute, la, toute la journée. Mais de 15 à 21, on va prendre quelques portions. Euh, de Job, où on entre dans le deuxième cycle. Euh, la semaine dernière, on a vu le premier cycle des amis de Job qui avaient un échange avec Job. Et là, on entre dans le deuxième cycle euh, avec les amis. Et on va particulièrement parler de l'aspect de rétribution. Parce que lorsqu'on comprend mal la, la punition, est-ce que, est que Dieu me punit pour ce que j'ai fait, tout ça, c'est parce que tu as une mauvaise compréhension de la rétribution. Et dans ce texte-là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va, va s'apercevoir que les amis, leur rétribution, c'est que le juste prospère automatiquement et le méchant souffre. Donc si tu souffres, c'est parce que tu es méchant. On va regarder ce que la Bible nous enseigne là-dessus. Mais il y a deux perspectives que je veux voir principalement avec vous aujourd'hui. C'est euh, premièrement la culture du mérite et la culture de la grâce. Donc, on va regarder ça ensemble. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans Job 15. Mais pour une des rares fois, vous n'êtes pas obligé de tourner, <laughs> parce qu'on va tellement aller, de, on va sauter plein de versets que tu peux simplement regarder à l'écran, ça va être correct pour aujourd'hui. Mais juste pour te mettre dans le contexte, avant d'entrer dans les textes, je veux vous ramener un petit peu à Job 2. Je sais que ça a été fait la semaine dernière brièvement, mais juste pour vous dire que Job avait vécu son épreuve et là maintenant, il est assis. Euh, il pleure, il est en douleur, euh, il a besoin d'être consolé. Ses amis vont venir le rejoindre. Ses amis ont fait la bonne chose de s'asseoir avec lui, de pleurer avec lui. Et pendant sept jours, ils étaient avec Job et euh, ils étaient vraiment dans, 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 dans la consolation avec lui. Ils faisaient la bonne chose. Et là, tout à coup, ce que Job a fait, il s'est mis à parler. Hein, des, des fois, on n'ose pas trop. Hein. Quelqu'un vit quelque chose. Tu sais que ça semble être douloureux, être souffrant, puis tu dis OK, je vais simplement rester avec. Je vais me taire. Je vais rien dire. Mais là, lorsque la personne décide de vider son cœur, et là, lorsqu'il vide son cœur, il, 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 il remet en question le jour de sa naissance. Il y a plein de pourquoi dans, dans le cœur de Job. Mais il a ouvert la bouche, alors les amis se disent haha, puisqu'il a ouvert la bouche, voici vraiment ce que je vais dire. Voici ce que je pense vraiment de lui. Et là, c'est le temps de lui dire tout, tout le fond de ma pensée. Je sais qu'il n'y a personne qui fait ça, mais <laughs> les amis de Job nous, nous montrent un peu qu'est-ce qu eux aussi avaient dans leur cœur par rapport à Job. Voici, on va lire Job 15, verset 1. Et on saute plusieurs versets, mais ça commence ainsi. Le, un de ses amis, Eliphaz, le Thémanite, répondit Je vais te parler, écoute-moi, je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître. Et Eliphaz était vu un peu comme un, un gars d'expérience. Il sait de quoi il va parler. Il dit Je vais te parler, écoute-moi en ce moment, là. voici qu'est-ce que je veux dire vraiment, là. pourquoi que ces choses-là arrivent dans ta vie. Et au verset 20, il va dire Le méchant est dans le tourment tous les jours de sa vie. Il ne s'enrichira plus. Il ne pourra s'écarter des ténèbres. Autrement dit, dans cette culture du mérite que les amis de Job veulent euh, euh, lui dire, c'est la, la, la première vérité, si on veut, que eux selon leur compréhension, il va dire tu mérites ce qui t'arrive. Hein? Combien vous avez reçu une parole comme ça Tu mérites ce qui t'arrive. Et des fois c'est positif, hein. Euh, je ne sais pas si vous êtes abonné à une application avec votre compagnie d'assurance automobile, mais moi j'ai une application où depuis deux ans environ, euh, il regarde vraiment mon état de conduite. Donc si je, 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 je roule trop vite, ça va m'indiquer que okay, je suis 5% euh, plus faible que le reste des conducteurs qui ont la même compagnie d'assurance. Si euh, je freine trop sec, on va me le dire aussi. Et il y a même la, la portion de distraction. Si tu te mets à texter au volant, et si tu penses que personne ne te voit quand tu textes, la compagnie d'assurance te voit, parce qu'ils vont dire oh, « hop monsieur, faites attention, vous êtes à 8% en dessous. » Mais il y a aussi des moments où ça dit « Oh, vous êtes 10%, 15% au-dessus de tous les autres, donc vous allez avoir droit à un rabais de 10% à votre renouvellement. <laughs> je mérite ce qui m'arrive. Ma conduite va faire en sorte que je vais mériter ce que je vais avoir. Et on le voit partout dans notre monde. Dans les, euh, si on, on regarde euh, juste la portion individuelle, les mérites individuels. Lorsque tu reçois un trophée, le meilleur joueur à ton équipe, euh, le meilleur défenseur, euh, le meilleur gardien de but, tu as un honneur individuel. Tu l'as parce que tu le mérites. Et c'est la même chose dans ta vie à toi. Tu peux avoir étudié fort, tu as un certificat, tu as un bac à la fin, puis tu te dis Hey, je mérite ce que je reçois. Tu euh, vas recevoir une promotion au travail. On s'entend que si tu as une promotion, c'est parce que tu as travaillé pour l'avoir. Donc, tu mérites ce qui t'arrive. Et ce que les amis de Job sont en train de lui dire, autrement dit Le salut, mon ami, s'accomplit par les œuvres. Et lorsque je regarde à ta vie en ce moment, il n'y a pas trop d'oeuvres parce que là, le, 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 le malheur s'abat sur toi. Et dans notre monde, on, on va dire qu'on mérite ce qui nous arrive, on est de, de bonnes personnes, donc pourquoi on devrait souffrir, hein? on devrait toujours avoir la prospérité dans nos vies parce que nous faisons les bonnes choses au bon moment. Et on ne s'en rend pas toujours compte, mais on entre dans cette culture du mérite que les amis de Job lui disaient toujours. Et le, lorsque mes enfants font quelque chose, il y a un exploit à l'école, ou hey, j'ai eu telle note dans, dans, dans mon examen, tout ça, puis là j'entends mes, mes, mes autres enfants dire, ah oh, moi aussi, euh, après, ils sont en train de dire, voici l'exploit que moi aussi j'ai fait. On, on dirait qu'on a besoin de s'approprier un mérite quelconque. Alors que la vie chrétienne ne marche pas par mérite. C'est quelque chose d'immérité. C'est Ephésiens 2.8 qui va dire que c'est une grâce que vous avez reçue. C'est au moyen de la foi que vous placez en Jésus. Ce n'est pas par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Alors, alors que vous voulez mettre euh, sur Je, Voici, tu mérites ce qui t'arrive, donc tu mérites le malheur. Euh, tu reçois le malheur que tu mérites à cause de, bon, de, 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 de tout ce qui prend place, de plein de péchés dans ta vie et tout ça, mais ils n'ont pas compris justement que la réelle punition que tu reçois, c'est la punition pour tes péchés. Et Job n'avait pas péché. C'était une situation bien malgré lui. Sa foi était toujours droite devant Dieu, mais ils sont en train de lui dire, voici ce que tu mérites, c'est une punition. Comme les méchants. Lorsqu'on parle de méchants, on parle de péché dans la Bible. Mais j'aimerais te dire que la portion de grâce qui est là pour toi, c'est que Jésus a pris la punition du péché à ta place. On continue. Le deuxième ami, Bildad, chapitre 18, verset 1, va, il prit la parole et dit, La lumière du méchant, donc le pécheur, s'éteindra. Il ne laisse ni descendant, ni postérité parmi son peuple ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Et si on se rappelle, hein, dans Job 1, Job avait tout, dans Job 2, euh, Job perd tout, et c'est de Job qui parle ici. Il ne va laisser ni descendant, ni postérité, ni survivants dans les lieux. Donc, Job, autrement dit, là, toi, là, tu es exactement comme le méchant, tu es un pécheur, tu as tout perdu, c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir. Verset 21, point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Il y a une part de vérité là-dedans et je vais y revenir. Mais la deuxième, le deuxième élément que les amis de Job lui disent dans la culture du mérite, c'est que ta souffrance provient de ton péché. T as péché alors tu souffres. Et eux, ils voyaient la rétribution temporelle. Parce que c'est vrai que le péché nous fait souffrir, mais pour eux, c'est que si tu souffres en ce moment, si tu es malade en ce moment, si tu as un cancer en ce moment, si ça ne va pas bien dans ton couple en ce moment, c'est parce que tu as un péché caché dans ta vie. C'est ça qu'ils voulaient dire. Et ça ne veut pas nécessairement dire ça. On s'entend que le péché apporte ses conséquences. Si tu commets l'adultère, il va y avoir des conséquences, assurément. Il va y avoir de la chicane, il peut y avoir le divorce, ça ne veut pas dire toujours qu'il y a le pardon, il y a le divorce, puis la séparation, les enfants, après ça, qui font d'un côté et de l'autre, tout ça, puis il y a de la souffrance qui est là, il y a des conséquences qui sont reliées à ça. Si tu décides de commettre un vol, euh, après m'avoir écouté aujourd'hui, il va y avoir des conséquences que tu vas recevoir. Si tu, tu roules trop vite sur l'autoroute et... La, 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 tu, tu, tu franchis le 120 km/h et il y, y a de bonnes chances que la police te donne une contravention. Tu ne pourras pas dire que oh, le diable est après moi parce que j'ai reçu une contravention. Non, c'est parce que tu roulais trop vite. Il y a des conséquences au péché. Sauf qu'ici, dans la vie de Job, ça n'avait pas rapport à son péché. C'est une situation qui est là. Il vit dans la souffrance, dans la détresse. Et plusieurs, vous savez de quoi je parle. En ce moment, vous souffrez. Quoi qu'il quoi, quoi qu en soit, de, de, de quel type de souffrance que vous, savez, que vous avez, vous savez que ce n'est pas euh, relié à un péché. La maladie, euh, oui, c'est à cause que le, notre monde souffre. Notre monde est corrompu. Mais si tu as... Reçu un diagnostic d'un cancer en ce moment, c'est pas parce que tu as menti hier. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est les, les disciples qui avaient dit à Jésus, alors qu'ils marchait sur la route, il y avait un homme qui était aveugle. Et ils vont dire à Jésus, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou c'est parce que ses parents ont péché? Et Jésus va dire, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas à cause de ça. C'est dans le but que Dieu puisse se glorifier, que Dieu puisse exercer un miracle dans sa vie. Et moi, je suis beaucoup encouragé par le témoignage d'une de mes tantes qui a vécu vraiment beaucoup d'épreuves dans sa vie de toutes sortes. Mais il y en avait une particulièrement avec son fils aîné. Euh, où, euh, il, bon, évidemment, il était rebelle à, à l'autorité parentale, il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations à un moment donné, il, euh, il s'est lancé dans la drogue aussi, il a commencé à vendre la drogue, il s'est retrouvé en prison et tout ça. Et, et pour une mère, c'est très souffrant, c'est déchirant de voir son enfant aller jusque-là. Et il y toutes sortes de personnes qui pouvaient y parler, puis il y en a qui disaient Ouais, sûrement que c'est des mauvais parents, puis sûrement qu'ils n'ont pas fait leur travail, puis on essaie de lui mettre une faute, de lui mettre une punition sur elle, tout ça. Mais elle avait compris que ça n'avait pas rapport avec son péché à elle, mais elle se disait Je sais une chose, Dieu est en train de travailler au témoignage de mon Fils. Et je veux juste te dire aujourd'hui avec la souffrance que tu vis, quelle qu'elle soit, Dieu travaille quelque chose dans ta vie, Il peut travailler ton endurance, peut travailler ta persévérance, ta patience, travailler ta foi, mais fais confiance à Dieu. Chapitre 20. Tzofor, le troisième ami, prend la parole et dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée les... Et là, je saute beaucoup de versets, je vais au 28. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Tel est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Le troisième ami de Job il est en train de dire dans cette culture du mérite, tu dois payer pour tes erreurs. Tu dois payer pour tes erreurs. Et encore une fois, il y a une partie de vérité. On le voit dans notre monde, encore une fois, où on est dans une culture de bannissement. Aussitôt que tu fais une erreur, ta crédibilité est atteinte, tu, tu vas être complètement banni, que ce soit des ondes de télévision. Si tu ne penses pas pareil, euh, on va te censurer. Euh, si tu ne, ne, ne suis pas le même parcours que quelqu'un d'autre, on va dire désolé, mais tu ne peux plus être avec nous, tu ne peux plus travailler avec nous. Il y, a, il, y a, il y a toute la culture de bannissement qui est là. On l'a vécu même, euh, à, on l'a vu avec les équipes sportives où ils ont changé de nom d'équipe parce que parfois c'était relié à un peuple en particulier et des fois il y avait de bonnes raisons, c'était pour se rappeler historiquement d'un bienfait, mais dans cette culture, on se dit non, il faut complètement bannir tout ça pour éviter qu'il y ait une forme de racisme quelconque et ça fait qu'on est en train d'effacer complètement l'histoire. Pas si vous vous en rendez compte, mais on efface complètement l'histoire. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose il y a 500 ans, aujourd'hui, il faut payer pour les erreurs du passé. Et son ami ici dit Tu dois payer pour tes erreurs, Job. Et, et lorsque je dis qu'il y a une part de vérité là-dedans, c'est vrai qu'on doit payer pour notre péché. Si tu es pécheur, la Bible dit que. Tu, tu vas mourir, tout ça va disparaître. Tout ce que tu as accumulé ici, c'est tellement éphémère, tout ça va disparaître, puis tu vas à en rendre compte à Dieu un jour pour ça. Donc, ça, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la part de la mauvaise nouvelle. Et ce que je, je reproche à les amis de Job, en fait, c'est pas qu'ils ont, ont parlé de la mauvaise nouvelle, parce que c'est vrai, cette mauvaise nouvelle-là. C'est qu'ils n'ont pas dit la bonne nouvelle pour Job. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, pour, autant pour Job que pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont essayé de mettre Job comme étant une victime. On le blâme pour ce qui arrive. Et, et, et même dans le temps de Jésus, c'était la même chose. Les disciples, à un moment donné, ils parlaient avec lui et ils disaient "Oh, mais il y a eu un massacre, Hérode, il a fait un massacre. Il y a eu du sang partout. Puis pourtant, il y avait des chrétiens, puis il y avait des gens qui n'étaient pas chrétiens là-dedans. Puis comment ça que. que que ça a été permis. Et, et Jésus va dire même qu'il y a eu la, la tour de Siloé qui tombe sur 18 personnes. Il y avait des justes, il y avait des injustes. Donc, autrement dit, il y avait des chrétiens, puis il y avait des gens qui étaient pas chrétiens. Puis, c'est n'est pas à cause qu'ils ne euh, euh, sont pas en train de payer pour leurs erreurs. Il y, a des, il y a des éléments dans la vie qui arrivent, il y a des souffrances dans la vie qui arrivent, que tu sois une bonne personne ou que tu, sois, que tu te considères meilleur qu'un autre. Il y a des bonnes choses qui arrivent à des mauvaises personnes et des mauvaises choses qui arrivent à de bonnes personnes. Mais ce que Jésus va dire, et il arrive vers la bonne nouvelle, parce que notre monde est rempli de mauvaises nouvelles, mais Jésus va dire Cette situation-là est arrivée. Là. Mais l'important, ce n'est pas de savoir s'il ah, y a quelqu'un qui a péché, si c'est une punition particulière ou quoi que ce soit. Il dit Ce qui est important à retenir, c'est que tous doivent se repentir. Parce que, que l'événement arrive comme ça, c'est triste. Ça peut paraître injuste. Pourquoi ces 18-là et pas 18 Oh Mais ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. C'est que la, la vraie justice de Dieu, elle est spirituelle. Tu dois te repentir. Est-ce que tu te reconnais comme étant un pécheur? Parce que le péché va te conduire vers la mort. Mais si tu te repens, tu mets ta foi en Jésus. La Bible dit que tu as la vie éternelle, et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc, les amis de Job, ont parlé de la mauvaise nouvelle, et là, j'aimerais te parler de la bonne nouvelle pendant plusieurs minutes, alors qu'on a vu la culture du mérite. Puis si tu ne mérites pas, bien, tant pis pour toi. Voici la culture de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est un don immérité. Ça veut dire quoi? On, comme à chaque année, Ma fille joue à la balle molle, puis je suis un des entraîneurs de, de, de l'équipe. Puis cette année, on avait trois équipes. Et ce qui arrive avec trois équipes, c'est que lorsque tu arrives dans les séries de fin de saison ou même en fin de saison, on remet toujours une médaille aux équipes. Mais là, lorsque tu regardes ça, tu prends la troisième équipe au classement, qui est finalement la dernière équipe au classement, et cette équipe-là a une victoire dans toute la saison. Puis là, tu te dis, bien. Puisque là, c'est pas juste. Comment on pourrait avoir une médaille? Ils ont gagné un match! <laughs> ils ils avait de la misère à attraper une balle, il y avait de la misère à lancer une balle, c'est qu'un voyons donc. Il n'y avait aucun exploit là-dedans, il n'étaient pas bon, et ça représente beaucoup notre humanité où on, on peut essayer plein d'affaires, ça ne fonctionne pas, puis le, le péché nous ronge dans nos vies, puis on, on voit finalement pourquoi ils auraient une médaille, pourquoi ils mériteraient ça, eux autres? C'est exactement la culture de la grâce où on remet une médaille même à une équipe qui ne le mériterait pas selon leurs exploits. Pourquoi? Parce que Jésus a réussi l'exploit d'aller à la croix pour payer pour tes péchés. Et ça, c'est la grâce que tu reçois gratuitement. Gratuitement. Et si on regarde les, les textes avec Job, on recule un petit peu, on va dans Job 16. La première fois qu'il va prendre la parole, il va dire ceci. J'ai souvent entendu de pareilles choses. Et là, il parle à ses amis, toute votre, votre, votre culture du mérite. J'ai souvent entendu de pareilles choses. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Ça me fâche tout ce que vous me dites. Parce que vous n'avez pas compris. Quand finiront ces discours en l'air? Hein? Puis il faut se rappeler, il est dans la douleur. Il, est, il, 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 il se pose plein de questions sur pourquoi ça y arrive. Et. Là, il y a des amis qui sont là pour le consoler, puis ils ne le consolent pas du tout. Ça le forge. Et je sais que parfois, on veut bien faire, on veut aider quelqu'un. Ça me permet de faire une parenthèse où on va sortir plein de versets classiques pour aider quelqu'un à s'en sortir, mais pourtant, on ne les aide pas du tout. Hein? Par exemple, toute qu chose qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, Amen. Belle vérité, mais lorsque tu souffres, ce pas ça que tu as envie d'entendre. Tu as envie que quelqu'un mette la main sur toi, tu as envie que quelqu'un prie avec toi, tu as envie que quelqu'un pleure avec toi, qu'il essaie de te comprendre. Parce que oui, ce verset-là est super bon, mais il a rapport au salut. Tout va concourir au bien de celui qui aime Dieu, celui qui, qui est sauvé. Il y a d'autres versets qu'on pourrait énumérer. Hein? Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Amen. Mais lorsque tu souffres, tu veux une autre parole de grâce et d'encouragement pour ta vie. Mais encore une fois, c'est relié au salut. C'est vrai que parce que je suis sauvé en Jésus, la condamnation que je devais avoir, elle n'est plus là. Je peux me sentir mal d'un péché que j'ai fait, mais j'ai n'ai pas à me rendre coupable parce que Jésus s'est fait coupable pour toi et pour moi. Et je pourrais continuer longtemps. Et les amis de Job étaient dans ce style-là. Puis certains, certains versets classiques ou juste la, la culture du mérite pour essayer de l'encourager, mais c'est comme, hey, vous ne m'encouragez pas. Mais voici comment on peut être encouragé aujourd'hui. Il va arriver dans le verset 19, il va dire Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est c'est Dieu que j'implore avec larmes. Et ça m'amène dans cette culture de grâce. Ce, 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 ce premier message d'espoir que je veux te donner, c'est de te parler du témoin de Job. Le témoin de Job. Ses amis, c'est des mauvais témoins. Ils sont là pour prendre soin de lui, puis ils prennent mal soin de lui. Je suis convaincu que tu as déjà vécu ça. C'est des mauvais témoins. Maintenant, ils nous parlent de son témoin dans le ciel. Lorsque je me suis marié, évidemment, si vous êtes marié, vous comprenez très bien ce que je veux dire, il y a un témoin qui est là. Et le témoin vient pour confirmer, par sa signature, il confirme qu'il y a un engagement entre Denis et Mélanie, qui est mon épouse, et on s'est engagé pour la vie. Il y a quelqu'un qui signe pour dire, voici, oui, je suis témoin de, euh, de cette union ensemble. Et lorsque Job parle de son témoin dans le ciel, il est en train de nous parler de Jésus-Christ, qui est témoin que Dieu s'est engagé envers nous. C'est ça la grâce de Dieu, parce qu'on ne mérite rien sur cette terre, mais Dieu nous il s'est engagé envers nous, donc il est descendu vers nous par la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Il est dans les cieux et Job voit ce témoin dans le ciel pour dire, « Il est mon véritable ami qui comprend toute ma souffrance, toute ma douleur et mon espoir est en lui. » Le texte, en fait, pas le texte, mais la Bible va nous dire, pour nous parler du témoin, que Jésus est à la droite de Dieu et intercède pour nous. J'aime ça de savoir que la Bible dit qu'il est à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que si on a un rendez-vous ensemble super important, un rendez-vous d'affaires, puis je ne peux pas être là, mais je vous disais, hey, je vais vous envoyer mon bras droit, vous allez avoir une certaine confiance parce que vous savez que, OK, Denis ne peut pas être là, mais si le bras droit, il est là, ça veut dire que toute l'autorité qui lui a été déléguée. Et Jésus a toute cette autorité qu'il a reçue du Père. Donc tu peux t'approcher avec assurance euh, de, de Dieu parce qu'il est là à la droite de Dieu et il n'est pas passif à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Alors que tu pries et tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu écoute vraiment hein, ce que je dis? Tu as l'impression de parler en l'air. J'aimerais te dire que Jésus intercède pour toi. Alors, c'est sûr que Dieu entend chacune de tes prières. Et Jésus n'arrêtera pas. Et il va continuer d'intercéder pour toi parce qu'il t'aime. Sois encouragé avec ça aujourd'hui. C'est la première épître de Jean qui va dire si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Je sais que la souffrance n'est pas reliée nécessairement à un péché, mais si tu as péché, parce que ça amène une souffrance, et on a vu certaines conséquences tantôt. On a un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat fait? L'avocat est là pour te défendre. Si l'avocat ne te défend pas ou te défend mal, change d'avocat. On s'entend là-dessus. On va changer d'avocat. Maintenant, Jésus est cet avocat parfait. C'est lui qui est auprès du Père. Il prend ta défense. Il plaide pour toi et il continuellement alors que l'ennemi veut t'accuser. Et on a vu dans le premier message que Satan est l'accusateur. Il essaie toujours de t'accuser, t'accuser. Jésus, il plaide. Il est en train de dire Tu es non coupable parce qu'encore une fois, je me suis mis coupable à sa place pour que tu sois libre aujourd'hui. Tu es non coupable. Évidemment, tu te placer ta foi en Jésus. C'était un chrétien. Jésus te dit, arrête de te culpabiliser, tu es non coupable, je suis ton avocat auprès du Père. Et dans Timothée, le, euh, il y a un verset qui va nous dire que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Imagine-toi un instant, un médiateur, hein, c'est celui qui, qui, qui va falloir qu'il tranche entre deux parties. Et si tu vois une bagarre, tout à coup, il y a deux personnes qui, qui se battent et on Prenons l'exemple du hockey, tiens. On voit souvent deux, deux matamores qui sont là, puis ils se battent, ils se battent. Et qu'est-ce que l'arbitre va venir faire à un moment donné? Il va venir les séparer. C'est comme c'est assez la bagarre qui est là. Puis tu dois comprendre qu'une bagarre spirituelle, une bataille spirituelle où l'ennemi veut toujours t'empêcher euh, d'être près de Dieu, il te garde dans ton péché parce que la Bible dit que ce sont nos péchés qui causent une séparation d'avec Dieu. Mais Jésus, dans tout l'amour qu'il qu avait, il est venu à la croix pour dire c'est assez. Je viens faire la, 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 la séparation qu'il y avait entre Dieu et l'homme par le sacrifice à la croix. Je viens les réconcilier ensemble parce que Jésus a porté notre péché. Il nous a réconciliés avec le Père. C'est ce que Job voit quand il parle de témoin. J'ai un témoin dans le ciel. Un témoin qui est plein d'autorité, qui plaide pour moi, qui intercède pour moi, puis qui me réconcilie avec Dieu. Et il va dire C'est Dieu que j'implore avec l'arme. Et je vais faire une parenthèse là-dessus, parce que des fois, on peut implorer bien des, bien des personnes. On peut implorer notre père, on peut implorer notre mère, on peut implorer des amis, puis on est avec l'âme, euh, avec eux et tout. Mais je veux t'encourager à venir devant Dieu. Que tes larmes soient recueillies devant Dieu. Dieu est un bon papa qui prend soin de toi. Job l'avait compris. Maintenant, on continue. Chapitre 17. Il va dire Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs, mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de, de toi-même ma caution autrement, qui répondrait pour moi mon espérance, où donc est-elle Mon espérance, qui peut l'avoir Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Il y a eu un moment, Job, où... Même si tu connais la bonne nouvelle de Jésus, tu sais ce que Christ a fait pour toi. Il y a toujours des moments où tu es, es un peu plus anxiogène, puis il y a des moments où oh, ce n'est pas évident. Ici, on voit qu'il est à bout de souffle. Il sent la, la, la vieillesse prendre un peu plus de son corps. Quand je me regarde dans le miroir, je sais que j'ai plus 20 ans. Et, et, et là, il voit toute la vieillesse prendre place sur sa vie. Il voit que la mort approche il y a de la moquerie, euh, des, des insultes un peu partout. Et. Et souvent le réflexe qu'on a lorsqu'on a des gens proches de nous qui sont malades, qui, qui, euh, qui sont peut-être aux soins palliatifs ou autres, et que la personne est pour mourir, des fois on va dire "Elle hey, hey, est bien maintenant, elle ne souffre plus." J'aimerais t'amener à une réflexion. Est-ce que vraiment la personne ne souffre plus parce qu'encore une fois, on, on pense à une rétribution terrestre. Et ce qui nous arrive souvent, on dit, ah, c'est une punition, puis on est libéré. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu es vraiment certain que la personne ne souffre plus? Et c'est pourquoi souvent on va proposer l'aide médicale à mourir, pour atténuer ou mettre fin aux souffrances. Mais il faut comprendre que la véritable souffrance, elle n'est pas physique. La véritable souffrance. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. C'est pourquoi Jésus est venu, pour mettre fin à cette souffrance spirituelle. Il est possible d'avoir la vie spirituelle aujourd'hui. Et j'aime ce que Job va dire. Sois auprès de toi-même ma caution. Il n'y a personne d'autre qui peut me cautionner. Il n'y a personne d'autre qui peut m'endosser ici aujourd'hui. Sois toi-même, mon Dieu, ma caution. Qui pourrait répondre pour moi Il n'y a personne qui peut le faire. Il y a seulement toi. Dieu est l'endosseur de Job et c'est possible que tu m'aies déjà entendu raconter ceci. Mais il y a plusieurs années, une quinzaine d'années, je pensais avoir fait la plus grosse gaffe de ma vie. L'erreur la plus monumentale de ma vie, ça a été une des épreuves les plus marquantes de ma vie. Alors que je m'en venais ici pour travailler à l'église le Portail, et j'étais tout excité de ça. C'est quand même le fun. Je coûte un emploi, je vais travailler pour Jésus. Yeah, yeah, yeah. Et, et, et là, tout à coup, euh, bon, je fais toutes mes démarches pour pouvoir déménager, tout ça. Puis là, je vais voir mon employeur, puis je dis, écoute, voici, je remets ma démission, j'ai trouvé un autre emploi, tout ça. Et là, bon, ben, je vends ma maison entre-temps et tout. Et là, lorsque je vais à la banque pour avoir une autre maison, parce que je déménageais sur la, la rive nord de Montréal. Euh, le courtier me dit, écoute, euh, est-ce que tu vas avoir le même salaire ou est-ce que tu vas travailler maintenant? Euh... <laughs> Et je n'avais pas encore euh, euh, le, le, les détails de, de mon embauche, mais par mon excitation, moi, j'ai pris des décisions comme ça. Puis Là, je me suis dit, ben, c'est parce que je ne l'ai pas encore. Fait que là, il me dit, ça va me prendre absolument ça, parce que je ne peux pas te laisser la maison. J'étais sérieux. Oui, oh, je suis sérieux. Écoute, on signe pour une maison. Parce qu'on Wow! » Tout à coup, là, je me suis senti comme le pire des hommes, le pire des maris, le pire des pères. Pourquoi? Parce que là, si ça ne fonctionnait pas, je mettais ma famille dans la rue. Là. Et là, il me dit écoute, il y a peut-être un moyen, si tu es un endosseur, ça pourrait fonctionner. J'ai essayé de toutes sortes de façons, personne ne veut m'endosser. Et là, j'étais vraiment mal pris. Je parle avec un ami, je ne sais pas quoi faire, puis j'étais découragé. Puis là, j'étais ah, grosse épreuve, puis je mets ma famille dans la rue, puis tout ça. Puis il me dit Fais confiance à Dieu, Denis. Facile à dire. Facile à dire, faire confiance à Dieu. Et quand tu sais que tu peux mettre ta famille dans la rue, c'est pas évident. Et tu fais confiance à Dieu. Et les jours ont passé. Et je reçois un appel de ce courtier qui dit Monsieur Favreau, il dit Écoutez, demain matin, je veux vous voir à mon bureau, on signe, tout est beau. Je dis, hein, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne qui m'a endossé, puis. Il dit, posez pas de questions, venez à mon bureau demain, tout est réglé, on va pouvoir signer. J'avais une joie extraordinaire dans mon cœur, moi qui pensais avoir fait la pire gaffe de ma vie, puis je me suis dit, ah oh non, puis avec cette gaffe-là d'avoir démissionné trop vite, je me suis dit, sûrement que, que Dieu est en train de me dire qu'il change d'idée pour moi, c'est peut-être une forme de punition pour moi, que je vais être obligé de retourner à mon travail, je ne pourrai pas le servir. Puis tout, tout le hamster commençait à rouler comme ça. Alors que ça n'avait rien à voir avec mon erreur, Dieu est plus grand que mon erreur. Dieu est plus grand que ton erreur aujourd'hui. Et Dieu euh, t'a endossé par la personne de Jésus-Christ. Il a pris lui-même ton péché. Il a souffert lui-même pour toi, pour que tu ne puisses plus souffrir spirituellement. Jésus a endossé ta cause. Et ça, c'était l'espérance de Job. Malgré que tout va mal autour. Il savait que son espérance, elle était en Christ. Chapitre 19, Job prend la parole encore. Il va dire au verset 2 Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Autrement dit, là, hey gang, vous êtes lourd. Tout ce que vous me dites, là, je ne suis plus capable, arrêtez, c'est lourd. Là. Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable, Job le savait très bien. Mais ce n'est pas le cas, je n'ai pas péché. Verset 21, ayez pitié. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Vous êtes mes amis. Ayez compassion, ayez pitié de moi. La main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Ma souffrance fait mal. Je ne veux pas être bombardé de versets bibliques en ce moment. Je ne veux pas que tu essaies de me dire qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce que j'aurais dû faire pour essayer d'éviter ça. Ce n'est pas ça que je veux. Prenez part à ma souffrance, gang. C'est ça que j'ai besoin. En ce moment, je ne ressens peut-être pas la présence de Dieu. Mais un moyen de grâce que Dieu a permis, c'est la famille de Dieu. C'est l'Église de Jésus. Qu'on est là pour se supporter les uns les autres. Autrement dit, Job est en train de dire Prie pour moi. Ce que je vis là, c'est tough. Ce que je vis au travail c'est dur. Fais, fais juste prier avec moi, à la maison. C'est pas évident que mon mari, mes enfants là, oh, fais tu fais juste prier pour moi. Puis des fois là, la prière, j'allais dire, ce n'est pas suffisant. La, la prière, elle est bonne. La prière, elle est essentielle. La prière, elle est suffisante. Elle est efficace. Il y a d'autres moyens que la prière. Juste un bon câlin. Un bon câlin, comment ça libère? Ça libère un cœur. Et on poursuit dans la lecture. Job arrive avec une troisième vérité sur cette culture de grâce qu'on a en Jésus. Il va dire verset 25. Il y a bien des choses que je veux, je veux que vous ayez pitié de moi, là. mais par-dessus tout, voici, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon rédempteur est vivant. Je veux te parler du rédempteur de Job quelques instants. Un rédempteur. Qu'est-ce qu'un rédempteur? C'est quelqu'un qui va racheter. On le voit partout dans l'Ancien Testament et le terme revient, le terme revient 44 fois. Mais lorsque je parle de rachat, lorsque je pense à rachat, l'image que j'ai c'est vraiment l'athlète professionnel qui euh, ne joue plus pour X raisons, peut être blessé, peut être que l'équipe n'en veut plus, tout ça et il y a une autre équipe qui va dire "Eh hey, moi là, ce joueur là, je vais le prendre puis je vais racheter son contrat." La personne devenait orphelin, la personne devenait sans contrat, mais maintenant, hey, je vais le prendre parce que je tiens à lui. J'aimerais te dire que Jésus est ce rédempteur vivant. Jésus est ce rédempteur qui dit Moi, je vais prendre sa vie parce que je l'aime. Je vois que, que, que cette personne, elle est orpheline en ce moment, elle n'a pas de Père céleste et moi, je veux euh, venir prendre euh, sa vie. Je vais donner ma vie afin que lui puisse retrouver sa vie qui soit adoptée par mon père. C'est ce que Jésus est venu faire, la rédemption. Et la rédemption te permet, euh, euh, oui, d'être établi en tant que fils, en tant que, que fils adopté de Dieu, mais ça fait que nous sommes héritiers avec Christ à cause de sa résurrection. Et le texte continue en disant, il se lèvera le dernier sur la terre. Wow! Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir après Jésus. Jésus est le dernier qui se lève sur la terre. Je ne sais pas si tu as déjà joué au roi de la montagne, mais lorsque j'avais 7-8 ans avec mes amis, il y avait un gros banc de neige à l'extérieur, évidemment, gros banc de neige sur le bord de la rue, et là on se tiraillait, on se tiraillait jusqu'à temps de voir c'est qui tous les autres qui vont débouler, puis celui qui reste debout sur la montagne en dernier. Jésus est celui qui se lève le dernier sur la terre personne qui est plus grand que lui. Il va dire, quand j'aurai plus de chair, autrement dit, quand je vais être mort, je vais voir Dieu. Pour Job, la mort n'est pas la fin, parce que la résurrection de Christ garantit notre résurrection à nous. Si on place notre foi en lui, Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, donc qui place sa foi en lui. Même s'il meurt, il va vivre parce que Jésus est la résurrection et la vie. Est-ce que, comme Job, on peut dire mon âme languit d'attente au-dedans de moi, savoir que c'est une question de temps avant qu'on ait rejoint notre Seigneur Jésus? Et je termine, chapitre 21. Job prit la parole et dit Écoutez, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Verset 7. Pourquoi les méchants vivent-ils Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur forces Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leur rejeton prospère sur leurs yeux. L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. L'autre, en parlant du juste, meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Au jour du malheur, le méchant est épargné, au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Job ici est en train de dire Hey, vous m'aviez dit que le juste devait prospérer et que le méchant devait souffrir selon votre théologie de la rétribution. Alors pourquoi ici je vois que le méchant prospère et le juste souffre Il est en train de remettre en perspective quelle est la véritable consolation. Et je veux te parler de la consolation de Job. Il va dire, donnez-moi seulement cette consolation. Parce que tout ce que vous me dites depuis le début, là, c'est de vaines consolations. Ça ne marche pas. Vous ne m'encouragez pas du tout. Vous n'avez pas la bonne théologie qui peut m'encourager. Vous avez une culture du mérite. Maintenant, donnez-moi seulement cette consolation. J'avais été en train de dire, je veux juste la bonne nouvelle, s'il te plaît. Tu m'as parlé beaucoup de la mauvaise. Si c'est par mérite, j'y hey, arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Alors, ça ne peut pas être par mérite. Donne-moi seulement la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce, la bonne nouvelle de la consolation en Jésus. C'est Matthieu qui va nous dire que Jésus est celui qui vient consoler Israël. Il est venu pour payer le prix pour nos péchés, pour racheter le peuple d'Israël. Vous savez, souvent, lorsque une des choses que je trouve vraiment pathétique, c'est lorsque on participe à une compétition. On est loin de gagner. Là. On finit 23e là, sur 30. Et là, on donne un prix de consolation juste pour dire à être hey, participé, puis super un beau petit prix de consolation. Moi, je trouve que c'est insultant. <laughs> c'est insultant parce que j'aurais dû finir les trois premiers. Hein? Si on a cette théologie du mérite, c'est comme prix de consolation. On n'en veut pas de ce prix de consolation là, mais je veux juste te dire, alors que tu méritais pas de consolation. Jésus est venu parce qu'il t'aime. Jésus est ta consolation. Et je te poserai une question en terminant. Où trouves-tu ta consolation? Est-ce que tu trouves ta consolation dans les pilules? Est-ce que tu trouves ta consolation dans un médecin? Est-ce que tu trouves ta consolation dans un vaccin? Est-ce que tu trouves ta consolation vers un psychologue? Est-ce que tu trouves ta consolation dans les bras d'un homme? Est-ce que tu trouves ta consolation dans les bras d'une femme? Où trouves-tu ta consolation? Tu essaies d'oublier toute ta souffrance. Tu, tu, tu prends des... C'est peut-être de la boisson ou de la drogue, une forme d'analgésique pour dire, si je peux juste arrêter de souffrir. Et c'est une forme de consolation, de bien-être pour toi. Toutes les ressources que tu essaies de voir pour trouver ta consolation. J'aimerais t'inviter, en terminant ce message, à mettre ta foi en Jésus, placer ta foi en Jésus. La seule consolation qu'on peut avoir dans ce monde de souffrance, c'est en la personne de Christ. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Il est venu apporter consolation parce qu'il savait que par nos péchés, nous étions perdus. Nous étions voués à la mort, nous étions voués à l'enfer, à l'éternité sans Dieu. Mais par amour, il a porté notre péché à la croix afin qu'on trouve consolation en lui. Jésus est cette rétribution parfaite. Alors que tu vis encore pour essayer de mériter quelque chose, réalise. Que tu mérites rien. Oui, on mérite la mort par nos péchés. Mais Jésus a fait un don de grâce extraordinaire, qu'on ne mérite pas. Mais il démontre par là qu'il est la rétribution parfaite. Parce que lui a payé, parce que lui s'est fait coupable. Aujourd'hui, tu es justifié. Aujourd'hui, tu peux rendre, rentrer libre chez toi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es alors que nous essayons toujours de marcher par mérite, on s'en rend pas compte, mais on essaie toujours de mériter quelque chose. Seigneur on mérite rien. la seule chose qu'on qu mérite, c'est la condamnation, c'est la mort éternelle lorsqu'on ne place pas notre foi en toi. mais Seigneur dans ta grâce dans ce don immérité, Seigneur, on peut avoir la vie simplement parce que tu as tout pris sur toi par amour. Pour nous, Seigneur. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que ton cœur a, a été empreint d'amour et un élan d'affection, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Et je prie en ce moment que tu puisses réconcilier des gens avec Dieu. Je prie, Seigneur, que certaines personnes qui m'écoutent puissent se repentir de leurs péchés, réaliser qu'ils marchaient complètement à l'opposé de toi. Et qu'il y a un appel aujourd'hui à te suivre, à marcher avec toi, à placer leur foi, leur confiance en toi, Seigneur. Je prie que tu puisses le faire maintenant dans leur vie, Seigneur. Et je prie pour les croyants également. Seigneur, on peut être porté à oublier tous les bienfaits que nous avons en toi, vraiment qui tu es dans nos moments de souffrance et de douleur, mais qu'on puisse se rappeler que la souffrance ici, elle est simplement temporaire, parce que nous savons que nous serons libérés complètement de cette souffrance avec toi. Alors que tu nous réserves un endroit sans larmes, sans souffrance, Seigneur. On veut te rendre grâce pour ça aujourd'hui. Et je te prie en même temps que, que tous ceux qui ont besoin de support, qui ont besoin de prière, qui ont besoin euh, euh, de compassion, qui ont besoin... Euh, d'avoir un fardeau moins léger, Seigneur, je te prie que tu puisses venir apaiser, apaiser leur cœur, que tu puisses euh, apporter un miracle dans leur vie, Seigneur, qu'on puisse voir la bénédiction de Dieu dans leur vie, parce que tu vas l'avoir voulu, Seigneur. Viens rassurer des cœurs. Viens augmenter la foi, Seigneur. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. J'espère sincèrement que ce message a pu faire son chemin jusqu'à ton cœur. Si tu aimerais en savoir plus sur Jésus ou sur notre Église, n'hésite pas à nous écrire info à de portail.com et un membre de notre équipe te contactera le plus rapidement que possible. Cette invitation est également pour toi qui vis des défis, des souffrances ou bien si tu as simplement une requête de prière à nous partager, n'hésite pas, écris-nous, on va toujours être là pour toi. On tient aussi à vous remercier, à vous qui contribuez. Merci de votre soutien à la mission de Jésus. C'est ainsi euh, que nous euh, contribuons à l'avancement du royaume de Jésus et à faire connaître son nom au travers des messages comme celui d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous soutenir financièrement. Vous pouvez le faire euh, directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant, dont à commercial-égliseaportail.com. Au nom de toute l'équipe et de moi-même, passez une excellente semaine.